avuto la fortuna, perdona perché ho il mio taglio, non è buono, però bastante per parlare un po'. Abbiamo Simone che è qui, ma dopo parliamo in francese. Solamente per dire che io sono innamorato con la cultura italiana, con il cinema italiano di oggi e anche del passato. Grazie. E grazie per questa magnifica caia che vous m'avez fait, ça m'a vraiment beaucoup touché, merci beaucoup. Mon père est espagnol, ma mère est allemande, et j'ai grandi avec beaucoup d'inconnus sur cette période-là, sur ma famille. Ok. Et il a fallu que je mette de l'ordre, en fait, l'histoire de ma famille. Donc j'ai fait beaucoup de recherches du côté de l'Allemagne et du côté de l'Espagne. Le fascisme, le nazisme, avec une des familles décimées, avec la guerre, enfin ces pierres monstrueuses comme ça. Et donc je fais partie de ces gens, comme beaucoup de gens, qui sont les héritiers d'une guerre monstrueuse. En étant en plus un enfant, l'enfant d'une Allemande. Donc c'est un héritage qui est une forme de chose étrange comme ça, qui est en nous en fait. Qu'est-ce que faisait ma famille en Allemagne, etc. Donc j'ai commencé à faire des recherches sur ma famille allemande et il se trouve que le livre de Hans Falada est très proche finalement, et probablement très très proche de ce qu'ont vécu mes grands-parents et arrière-grands-parents en Allemagne à ce moment-là, vu qu'aucun d'entre eux était, suite à mes recherches, j'ai découvert qu'aucun d'entre eux était inscrit au parti nazi, ce qui était un acte de résistance à l'époque assez incroyable. Io ho papà spagnolo e mamma tedesca, quindi diciamo questa storia racconta la storia di una famiglia e parte anche un pochettino dal mio vissuto familiare personale. Infatti, quando da bambino ho iniziato a fare anche delle ricerche rispetto a quella che era l'origine della mia famiglia, ho esplorato il loro passaggio nella guerra anche sul lato tedesco. Ovviamente una guerra mostruosa che poi va a delineare anche il percorso di ogni persona che ne è coinvolta. Io sono quindi per discendenza figlio anche da parte materna della Germania e questa eredità tedesca appunto mi ha portato a sviluppare questa ricerca. E a un certo punto all'interno di questa sorta di investigazione ho scoperto il libro di Hans Falada, dal quale ho compreso effettivamente che ci sono molte vicinanze rispetto al vissuto dei miei nonni e dei loro genitori, e all'epoca in realtà loro erano anche iscritti ad un partito nazista, che era un atto insomma notevole assolutamente per l'epoca. Oui, en fait tout est basé sur des faits réels. En fait, il y a eu le livre de Hans Falada qui est un des, je dirais, un monument de la littérature allemande, mais un livre qui est un peu comme ça, qui correspondait à la littérature d'avant, en fait. Et le film a remis en avant, je dirais, Hans Falada, et ce livre qui s'appelle, en fait, en allemand, « Jeder stirbt für sich allein », chacun meurt pour lui-même. Mais il y avait en parallèle, donc, effectivement, cette histoire vraie, parce qu'en fait, il s'est basé sur ce couple, les Quangen. Et donc, du coup, en parallèle, on avait fait des recherches sur le vrai couple. Avec qui avez-vous écrit le scénario? Oh, c'était une longue histoire. Qui a écrit la sceneggiatura? C'est un co-scénariste allemand. Il y a eu plusieurs personnes. Et il y a eu, en fait, plusieurs étapes. Donc, ce co-scénariste allemand, mais il y a eu tout un travail en amont de recherche que j'ai fait moi. Mon épouse m'a un peu aidé aussi, mais finalement, on a travaillé sur le scénario à la toute fin avec un monsieur qui s'appelle James Seamus,
James Sheamus, il a beaucoup travaillé dans, sur les films de Ang Lee. Il était producteur et co-scénariste des films de Ang Lee. Et producteur sur le film. Donc lui, avec lui, on a vraiment fait un gros travail dans l'écriture du scénario. C'était assez compliqué d'y arriver. In realtà la storia si basa, come dicevamo prima, su fatti reali, quindi la storia di Hans Baladal effettivamente rappresenta una coppia realmente esistita. Si tratta di un monumento, secondo me, in realtà, questo testo della scrittore tedesco. E il titolo originale di questo testo è Ognuno muore da solo. E fa riferimento appunto ad una coppia che poi viene ripresa dalla coppia Quangel, così come vediamo nel film. Abbiamo fatto effettivamente poi grandi ricerche proprio sulla storia vera di questi personaggi. Rispetto alla domanda di chi fosse la sceneggiatura, quindi, o il cosceneggiatore, il regista diceva che si tratta di una lunga storia, ci sono diverse persone che hanno operato, in particolare c'è un cosceneggiatore tedesco, ma è stato un lavoro di ricerca che è andato avanti a più tappe e fondamentalmente la persona che più è stata presente nella sceneggiatura è James Sheamus, che è stato anche coproduttore. On a écrit ensemble le scénario aussi.